Salut à tous, c'est Redcore, j'espère que vous allez bien. Vous allez me dire, mais putain, qu'est-ce qui se passe? La cinématique vient, il y a une cinématique et tout. Alors, tout simplement, à la base, je devais commencer la quête de l'essence d'Azeritic, l'essence du cœur d'Azeroth niveau 60, qui vous savez que sur la dernière vidéo, c'était le rêve d'Emeraude quand il était 50, 58, je crois, ou 50, 56, pardon. Donc on devait aller au rêve d'Emeraude et tout. Et donc là, il disait qu'Alegos est venu nous voir, il nous a fait, oui, mais Alexstrasza, voilà, on a voulu contacter Alexstrasza et on n'a pas eu de nouvelles. Donc il a dit, allez voir aux Hauteurs des Crucios, elle se retrouve à la Redoute de Vermillion. Ouais. C'est là où il y a le gros arbre rouge, bref. Et donc tout ça, et donc j'ai commencé à faire le trajet et tout ça. Et on arrive, il y a Kaigos, il fait, ouais, par contre, on n'a pas réussi à avancer, on sait pas trop ce qui se passe, faut que vous alliez voir, trouver Alexstrasza. Au final, on arrive, vous avez vu la cinématique. Nous avons le vol crépusculaire, donc en gros des forces, un vol du vide. Hein. Alexstrasza est encerclée. Ah. Vous devez la rejoindre. Oui, ok. Bah, menace ennemie réduite. Donc au final, votre c'est un ancien arrivée est scénario. Providentielle. Il est temps de mater ces abominations. Le vol crépusculaire, on l'affronte. Bon, un cataclysme hein, là, avec Eldemort, et ça c'est un truc que Eldemort a créé hein, bien sûr, et que à la mort d'Eldemort ils ont décidé de se taire, de ne plus rien, genre, ils ont fait profil bas si vous voulez tout simplement. Et là donc nous décidons donc d'aller aider Alexstrasza et on va mettre au vol, on va aller un peu l'aider. On ne sait pas trop pourquoi ils reviennent. Hein. On voit que quand même les forces vides, hein, parce que, ils sont atterrés par le vide, commencent à agir. Quelque chose est en train de se passer. Alors là, on a une sorte de bataille. Ah non, c'est Kalégos et Alexstrasza qui décident de d'attaquer, de faire un peu de purge. Je sais pas si le terme purge c'est utile. Ils sont en tout cas très longs à tuer ces tirs sorts. On va essayer d'affronter des ennemis. Je crois que ce sont eux qui m'ont fait le dégât. En tout cas, ça va. Là, ils sont assez simples à tuer. On va pas se passer. Et donc, oui, de base, je devais faire. Bon, voilà la vidéo. Bah, là, ça vous avez compris. Mais malheureusement, voilà, j'ai installé de nouveaux drivers. Et le problème de ces drivers, c'est que. Je crache un peu. Alors, jamais c'est qu'ils sont congelés, mais ils prennent pas vraiment de dégâts. C'est pas très grave. Alors, je sais pas trop d'affronter les plus puissants. On va faire un petit peu comme ça. Vous l'attendez. Mais voilà, donc on va avancer, on va voir ce que ça donne. C'est pas trop ce qui se passe. Il nous reste un affronté. Bon, allez, on va aller affronter lui. Allez, c'est ça. Donc ça fait, je suis un peu désolé vous avez raté, on va dire, au début. Bon, je vous ai juste dit de venir ici de voir ce qui se passe. Mais bon, ça aurait été cool de voir ce qui se passait. Donc là, il nous disait retrouver les Stravers. Alors, je ne peux pas voler, on est en scénario, donc impossible de voler. Mais allons-y. Fais gaffe à ce qu'il ne soit pas trop chaud mon PC et qu'il me fasse une petite déconnexion. Allez, elle est donc là. Cette bataille n'est pas terminée, je le sens. Leur chef approche. Je reste à vos côtés, Yosemi. Quoi qu'il arrive, je vous ai déjà sauvé. Au revoir. Sentinelle de Vermillion secoue, d'accord. Donc en gros. Et on. Je sais pas si la flèche que. Ça me. Je sais pas. La flèche est. À mes enfants. Il les transforme. Lieuse de vie. Abandonnez-vous au murmure. Rejoignez-nous et vous exercerez une puissance sans que nous ne vous. Jamais! Alexstrasza et moi nous chargeons de Luciana. Faites tout votre possible pour libérer les prisonniers. Alors on va faire ça, on va les libérer les prisonniers. Alors
Mais on voit sinon, oui, par rapport à ce que L'avenir des vols draconiques repose sur l'unité. Vous finirez par vous rendre à l'évidence, ma sœur. Je dois m'approcher. C'est... Nous ne sommes pas sœurs. C'est une machiavélique. Ma sœur. Alors en vrai, je pense que tout ceci bon, est fake, hein, évidemment. Mais en tout cas, le vide commence un peu à agir de son côté. Hein. Il commence à mettre en place un plan. J'aimerais bien en savoir plus. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai peut-être mes petites théories sur le fait que par rapport à Enzot, comme il disait. Que les yeux de tous s'ouvriront à la fin du raid. Au moment où la vidéo là, sera publiée, celui-là ne sera pas encore publié. Je ne sais pas trop quand. Parce que j'ai des bugs avec OBS, c'est un peu la merde. Mais voilà. Et moi je pense c'est sur le fait que par rapport à la lumière, on voit que la lumière a été très présente ces derniers temps. Avec les empreintes de la lumière. Attends, faut que je continue par là ou. On va aller par là. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'aller par là. Ah oui. Elle s'enfuit! Vite! Nous devons la rattraper! Vite! De plus chaud. Et donc, tout ça avec la lumière, bah, avec les empreintes de la lumière, Légion là, avec la lumière, avec le premier Naru. Ça commence de plus en plus à intervenir. Là, pour la 8.2.5, on a Kalia Menethil qui est donc une merde, aidez-moi. Pourquoi résister, ma sœur? Ne voyez-vous pas quel grand destin attend les Donc elle est Menethil qui est devenue morte dans la lumière. Ne vous protégera pas de moi. Je vous laisse la discussion, mais non, vous verrez ce titre, donc désolé si je. Il n'y a qu'un seul moyen d'en finir. Préparez-vous à vous battre. Yes. Ce carnage. Et le truc, donc, pour la lumière, et ça fait donc, bah, avec la lumière. Elle est là. Finissons-en. Avec la lumière et tout, et même Enzo dit que la lumière s'est alliée avec le pire ennemi de tous, qui est en gros la mort. Si vous. Et moi je pense que c'est sur le simple fait que, à la fin de la bijou. Si vous refusez de nous rejoindre, vous y serons réduits à néant. Je suis pour moi. Ah. Votre maître ne vous mènera nulle part si ce n'est à votre père. Ah oui, on a pas mal de vie. Ah mais attendez. Je sais pas. Et donc, ça fait Enzo qui dit que la lumière s'allie au pire des deux, notamment. Et je pense que la lumière, depuis la fin des légions, commence un peu à agir de son propre chef. Cette folie doit cesser. Ah, c'est les aspects défendront ce monde. Et donc, tout ça. Donc, j'en prendrai peut-être une vidéo que je préparerai moi-même. Mais... Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai préparé. J'ai ces vidéos. Donc... C'est impossible! Il me faut plus de puissance! Votre arrogance causera votre perte. Si vous refusez de servir le maître, un autre se soumettra. Laissez-la partir. Mes enfants sont en sécurité pour l'instant. Aujourd'hui, vos actes ont sauvé le vol draconique rouge d'un terrible destin. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je sais que vous cherchez à rendre le cœur d'Azeroth plus fort. Vous méritez tout mon soutien. Khoras Traza vous ramènera en Silithus. Je vous retrouverai là-bas. D'accord, ok, très bien. Merci, j'étais en mode, t'es en train de partir, en train de discuter. Ah, elle nous y amène vraiment. Et donc, le truc, voilà, c'est, je ferai, je pense, ces vidéos, je sais pas trop comment me préparer. Peut-être, genre, vous me verrez moi, je discuterai comme ça. Et des petites images apparaîtront de ce que je vois et de ce que je l'en pense. En tout cas,
Vincent, je sais pas, parce qu'il faudrait que je trouve tous ces trucs. Bah, par exemple, quand Enzo il dit la lumière c'est allié avec Pyramide de tous et tout ça. Donc, faudra que j'y réfléchisse comment je vais m'y prendre. Ça sera des petites vidéos qui seront assez courtes, hein, parce que je suis pas. Je vais écrire tout un texte et tout, ça va être assez long. Et en faire du même temps, vu que je suis quelqu'un qui parle très rapidement, ça va être très dur aussi. Mais en tout cas, c'est pas. Je veux dire, je verrai, bref. Allez, Alex Razel, une fois de plus, nous avons besoin de votre aide, champion, et quel perdu de la merde est couvée. Donc, je pense que celle qu'on a affrontée. Qui s'appelle Vexiona, je pense qu'on la réaffrontera. Un truc, peut-être un raid sur le vol draconique crépusculaire. Donc on a ça maintenant. Salutations. Quelque chose à dire, ma chère. Cela fait bien longtemps que mon vol protège la vie en Azeroth. Et nous continuerons jusqu'à notre dernier souffle. Juste ça en raid. Acceptez ce cadeau. Puisse-t-il allumer en vous une flamme qui vous guidera lors des périodes les plus sombres. Donc, Alex Rosa ce soir. Au revoir, Alex Rosa. Et elle balance bien ses fesses. Le Val Draganig. Ah. Bref, elle part donc. Pour ceux qui auraient vu vite fait, au cœur 70, il y aura une nouvelle quête, un soupçon de pleu, et ça sera Calais. Alors je sais pas si c'est le fait ou comme le dit Vexiona, votre grand commandant, si vous êtes servir le maître, un autre se soumettra. Donc si c'est pas extra ça, c'est peut-être Calégos ou peut-être. Peut-être Nosdormon, hein, qui sait, je ne sais pas, je n'en sais pas plus. En tout cas, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. Merci à ceux qui me suivent encore. À ceux qui me suivent pour mes aventures et tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Mettez un petit commentaire de ce que vous en pensez, de tout ça. Faites ce que vous voulez. Je ne force personne. Mais sur ce, on se retrouvera pour la suite des aventures sur BFA. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Attendre la 8.2.5 s'ils décident d'ajouter vraiment des choses dessus. Je ferai une vidéo patch, ou genre qui explique les nouveaux trucs. Je vais essayer de montrer les 2-3 nouveaux trucs. Mais à part ça, il n'y aura rien d'autre. Je veux dire, je sais pas quand elle sortira la campagne, la suite de la campagne militaire, la suite des quêtes et tout ça. Il faudra attendre la 8.3. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao et merci encore.